qui était dans ma classe. Et tu vas me faire passer pour une mauvaise maman. Et que sa grande sœur. Arrête mon amour. J'ai fait ça. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Les chéris, on a plein de choses à vous montrer. Tant que vous nous réclamiez des hauls, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de hauls, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de l'incroyable famille Molière, mais là je me suis dit les chéris vont kiffer. On a trop... Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous, ça va! Voilà, on est sur une fin de semaine, mais du coup je me suis dit, vu qu'on reprend les épisodes de l'incroyable famille Molière, du coup voilà, on vous filme le quotidien. Donc là il y a Lilia qui arrive, elle vient de préparer son sac puisqu'elle retourne à l'école cet après-midi. Elle remplit sa gourde, ouais, sa petite gourde isotherme, ça va trop bien pour l'école. Comme oh ça, oui, se met de l'eau minérale. Elle est trop fraîche la mienne. Ah, tu vois, t'avais sport en plus. Oui, elle était bien fraîche. Ah, tu vois, c'est super. Et même moi, j'ai ça, regardez les chéris. J'ai ça. Que j'avais pris sur Shein aussi. Il me suit partout. Donc la journée, je me le trimballe dans la maison. Et le soir, il vient avec moi. Donc franchement, c'est trop bien, ça garde l'eau super fraîche. Moi, ça, c'est plus pratique pour la maison ou quand vraiment tu te l'embarques en voiture ou quoi. D'ailleurs, je l'avais vu sur le compte de Kylie Mae. Je l'adore. Si vous la connaissez, mais j'adore. Ouais. Et du coup, les filles, elles l'ont avec le bouchon qui se ferme, mais c'est trop trop bien. Pour l'école, voilà, Lilia l'a en violet, on vous l'avait déjà montré. Une fois, j'avais mis, genre, j'ai fait ça, en fait, et j'avais oublié de la visser. Ça a fermé. Ça a coulé. Ça a pas coulé ? Ça a pas coulé, parce qu'en fait, il y a un joint là. Trop bien. Et du coup, en fait, quand je fais ça, ça coule pas. Super. Regarde. Du coup, au moins, comme ça, déjà, je sais qu'elles boivent de l'eau minérale, parce que j'aime pas qu'elles boivent l'eau du robinet. Et du coup, ça leur garde bien frais, sachant qu'il fait encore très très chaud. Donc du coup, les chéris, pour cet épisode de l'incroyable famille Molière, on a des choses incroyables à vous montrer. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, like, et commente, partage. Pour recevoir les notifications, chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo, tu ne suis pas encore sur nos autres réseaux sociaux. Il pense que j'ai juste ici. N'oubliez pas, on partage des univers différents, surtout les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Snapchat. N'hésite pas à nous suivre partout, Molière off, un seul pseudo. Voilà, on y est, je crois qu'elle a tout dit. Vous le savez, les incroyables familles, Molière, les épisodes de Incroyable Famille Molière, c'est une vraie télé-réalité. Je vous embarque avec nous le plus possible et encore plus maintenant depuis que j'ai le Sony. Voilà, je peux filmer encore plus. On a des choses incroyables à leur montrer quand même. Ouais, fais le néna. Hein, montre-leur quand même ce qu'on a à leur montrer. Montre-leur les sacs et on leur fera le haul ce soir quand tu sors de l'école. Donc on va pas vous faire le haul maintenant, mais restez bien cette vidéo parce qu'on a des trucs incroyables à vous présenter. Sachant qu'il y a un gros carton aussi en haut dans la chambre, plus tout ça. Donc restez bien sur la vidéo, ne la quittez pas. Je vous embarque avec nous pour poser Monia à l'école. Je vous embarque Lilia. Avec nous, Lilia à l'école, pardon. Monia, elle est en week-end. Ah, il y a un cadeau dispo Tokaboka, donc elle va nous dire. On va le montrer. Je me lève pas parce que j'ai fait faux sport ce matin, d'accord. Donc vous venez à moi. Alors ce matin c'était trop bien, j'ai eu 2 heures d'art plastique et 2 heures de sport et j'ai terminé, là c'est le rêve. Bon par contre j'ai les jambes défoncées puisque j'ai fait course et que j'ai tout donné. Mais voilà quoi, c'était trop bien, on a rigolé. On ouvre le cadeau ensemble. Limite comme c'était déjà un week-end. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec ma copine, en fait on a 3 jours de week-end parce que ça c'est pas des cours. Sport et art plastique, c'est agréable. Venez voir, on ouvre le cadeau, c'est parti. Lilia, elle a un cadeau sur Tokaboka. Allez, on va ouvrir le cadeau sur Tokaboka. Qu'est-ce que c'est? On appuie là, on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau Tokaboka? Un téléphone. Yeah. Il est trop kawaii. Donc voilà les chéris, à quoi ressemble nos midis? On a mangé, tu t'es brossé les dents? Non. Attendez, non mais attends, faut que je leur explique. Je finis à midi, voilà, et Monia finissait à midi et demi. Et heureusement que j'avais une copine à moi qui finissait aussi à midi du coup et qui était dans ma classe. Et tu vas me faire passer pour et une que mauvaise sa grande maman. Soeur, tu le sais qu'ils vont dire que je suis une mauvaise maman maintenant. Non. Et que sa grande soeur en fait, la grande soeur à ma copine, elle est dans la classe à Monia. Du coup, bah, nos soeurs commençaient à midi et demi. Finissez à midi et demi. T'as compris. Ouais. Et du coup, en fait, ben moi, je vais devant le portail du collège, je sors et tout. Et je cherche ben, la voiture à maman. Je suis désolée, mon ami. Et en fait, je la vois pas. Donc, j'attends 10 minutes. Elle est ma copine, on attend et tout, au palmier. Il y avait des palmiers et tout. On attend comme ça. Et au bout de 10 minutes, il y a le surveillant, il nous dit « Vous voulez pas rentrer dans le collège ?» Donc, du coup, on est rentré dans le collège. On était un peu avec nos amis et tout ça, tout ça. Et j'attends du coup midi et demi que Monia sorte parce qu'en fait maman avait oublié que je finisse à midi et elle pensait du coup que je finissais à midi et demi. Donc en fait je suis restée toute seule jusqu'à midi et demi jusqu'à que Monia sorte. Voilà, donc je m'en veux énormément. Quand elle me l'a dit, j'ai dit non, c'est pas vrai. Arrête mon amour, j'ai fait ça. Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça.
J'étais... Elle m'a oublié. Je lui ai dit au moins 5 ou 6 fois, je suis désolée mon amour, ça arrivera plus, je suis désolée. Mais en fait, c'est le début. Et en fait, j'étais persuadée que Monia et Lilia finissaient tous les midis à midi et demi. Et en fait, j'avais oublié que, bah, qu'aujourd'hui, c'est midi Lilia, midi et demi Monia. Donc, voilà, c'était Tata et Emma la catastrophe aujourd'hui. Sinon, je suis toujours en problème avec Bouygues Télécom. Normalement, je reçois une nouvelle box cet après-midi, donc je vais tout installer. Donc, si on va la récupérer, vous venez avec nous, les chéris. Hein, voilà, hein, c'est la Big Télé-réalité by Moliem. Petite pause doudou. Monia aussi, regardez, il est là. On fait un petit repos, il est 13h12. Ensuite, on repart à l'école. Et ensuite, on a une après-midi de folie. Trop de choses à faire. Maman. Donc là, on repart à l'école. Pour Lilia. Voilà, parce que Monia, du coup... Là, je fais anglais et sport, et puis après j'ai fini 17h. On se retrouve. Voilà. Et qu'elle aime me chercher. Je ne t'oublierai pas, madame. J'espère. Je t'attends. J'ai récupéré les filles, c'est une Monia avec moi. On a récupéré Lilia, ça y est, un week-end. Et du coup, on va faire un tour chez BM. Et ça avance sur les devoirs. Et pas organisé, cette petite. Comme ça, après, on vous montre. Je l'ai fait ce soir, les devoirs, moi. Ok. Parce que j'ai pas envie d'être trop tard. Ne dors pas, même si tu veux, et fais les devoirs. Non, elle veut faire les devoirs ce soir. Bon, du coup, les chéris, on est arrivés de chez BM. Voilà, c'est officiellement le week-end. Ouais. On a Lilia qui se fait une petite pause yaourt. On va vous présenter tous ces colis qu'on vous a montrés à midi. Et chez BM, on a trouvé des verres. Tata Emma voulait des verres. Je sais pas si ça vous intéresse de voir mes verres, mais je vais vous montrer mes verres. Bon, il y a deux mois. Je vais faire une catastrophe. Pas déjà. Mais rien que le packaging, il est beau. Hein. Ouais. Tu l'as mis où? Vas-y, tiens-le. C'est pas une bonne idée. Ils viennent d'arriver. Alors voilà les verres que j'ai trouvés. C'est l'imitation des Ikea. C'est un peu comme il y a chez Ikea, mais j'aime trop. Et du coup, voilà. Chez BM, il y a ça, les chéris. Si votre maman elle cherche des verres ou si vous êtes une maman et que vous me regardez, ils sont incroyables. Et moi, en fait, j'ai la même maladie que ma mère. Du coup, j'ai acheté une bougie. Elles sentent trop trop bon. En fait, il y a un rayon entier plein de bougies. Je m'amusais, je les sentais tous. Je suis arrivée, j'avais au moins quoi, 3 bougies dans la main. Elle m'a dit, maman, tu m'as contaminée. Oui, mais pourquoi j'ai tous ces traits de folle. Voilà, vraiment. De toc, de ménage, d'organisation. Elle est incroyable l'odeur. Et du coup, elle m'a dit, ouais, mais tu veux la mettre où? Pour le salon, elle m'a dit. Je dis, ah ouais, où tu veux, juste que je la sente, c'est elle tout. Est trop belle. Vanille et ambre. J'adore l'odeur de l'ambre, j'aime l'odeur du wood, j'aime tout ça. Regarde, elle va vite prendre sa place ici. Donc, je range vite fait tout ça et je vous fais le haul. Et chérie, j'ai reçu ma nouvelle box. Normalement, on ne devrait plus avoir de problème d'internet. Celle-ci est plus puissante que l'autre, ils me l'ont affirmé. Donc, si elle n'est pas plus puissante, ben, Tata Emma, elle les rappelle, elle les harcèle. Voilà. Quand j'ai quelque chose en tête, croyez-moi, je ne l'ai pas ailleurs. Je ne lâche rien. Les chéris, on a plein de choses à vous montrer. On a 3 colis. 3 colis. Donc cet après-midi, on s'est fait un petit samedi simple, tranquille, balade. Et voilà, on est allé faire un peu de pêche, on a profité du beau temps. Regardez comme il fait beau. Voilà. Et regardez tout ce qu'on a à vous montrer, les chéris. Là, vraiment, on a une tonne de choses à vous montrer. Alors déjà, il y a tout ce carton, mais il y a des choses qu'il ne faut pas vous montrer parce qu'il y a une vidéo spéciale qui arrive bientôt. Et il y a ces deux colis. Donc c'est parti, on va vous montrer tout ce qu'on a commandé. Let's go. Par contre, s'il y a des trucs que vous voulez que je vous mette les rêves, vous me le dites. J'essaierai de vous mettre les liens. En général, je ne les mets pas. Mais quand je vois qu'il y a beaucoup de demandes, j'essaie de me poser et de les mettre. On a trouvé des trucs trop bien, vraiment. Des trucs trop trop bien. Attends, déjà on enlève tout ce qu'on ne doit pas leur montrer. Parce qu'il y a une vidéo spéciale qui arrive très prochainement. Là on doit tout montrer. Anyway, so... Donc c'est parti, on s'est installé dehors et les filles vont vous présenter tout ce qu'elles ont choisi. Action. Je commence. En premier, j'ai pris une paire de lunettes taille adulte. Mais que j'aime beaucoup. Elle est violette comme ça. Elles sont violettes comme ça. Hop. Et il y a une chaîne de lunettes avec. Je voulais toucher, on va la mettre, mais je sais pas comment on la met. J'ai pris une taille adulte, je sais pas si ça va pas mal être trop grand. Ok. Elle est petite? Je sais pas. En plus, j'aime trop les chaînes de lunettes. Vas-y. Donc, en attendant, moi, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, ça, je crois. Oui. Là, j'ai aussi pris des lunettes. Moi, j'ai pris plein de lunettes en fait. Ah, moi, j'ai vraiment fait beaucoup.
Vraiment beaucoup. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Ces lunettes, ça fait hyper longtemps que je les voulais. Et je les avais vues dans des magasins, sauf qu'en fait, je les avais vues sur Shein. Et sur Shein, elles étaient plus belles. Et elles étaient moins chères. Regardez comment elles sont trop belles. Attendez. J'adore. Je vais demander à maman qui a pas ses lunettes, comment des lunettes. J'ai besoin de plus de lunettes pour aller avec tous mes looks. Ça, j'adore. Je trouve qu'elles sont magnifiques, ces lunettes. Du coup, on teste. Oh, on dirait un filtre. C'est trop beau. Moi, je vois sombre en mode lunettes de soleil. Oh. C'est trop bien, je l'aime trop. Oh. J'aime trop. I'm Kim Kardashian West. Elles sont trop belles. Ok. Good. Mais j'adore. Sont very good. Ok, ensuite. En plus, il y a même le petit chiffon. Le chiffon. Donne la boîte. Ensuite, à toi. À moi. Du coup, j'ai pris une autre paire de lunettes. Mais ils sont... Laisse-moi. D'accord. Laisse-moi tranquille en fait. D'accord. Une autre paire de lunettes trop crazy. Oh, elles sont mimes, celles. Trop rose, trop girly boy. Trop... L'écart, par contre, je pense que ça va être trop grand. Ok. Very good. Elles sont un peu beaucoup grandes. Oh, regarde, je vous essaye. Attends, j'essaye. Oh, elles sont légères. Je vois la vie en rose. Petit chiffon. À moi. Alors, moi, j'ai pris deux pots comme ça. Ça fait pas longtemps que j'en voulais un parce qu'en fait, pour faire des salades de fruits que j'achète d'habitude à la brioche dorée, mais en fait, ça peut être utile pour plein d'autres choses. En fait, c'est trop bien. Regardez, je vais vous montrer. Donc, vous avez le pot comme ça. En haut, vous avez un mini pot. Vous pouvez mettre une sauce ou un truc comme ça. Ouais. Comme ça, vous voyez. Oh, punaise. Et du coup, bah, vous le rangez là en haut. Et là, après, vous avez la petite, enfin, la longue fourchette pour quand vous ouvrez là, manger dans le pot. En fait. Et du coup, moi, je voulais me faire des salades de fruits, les laisser au frigo. Et en fait, je croyais qu'ils étaient plus petits, mais là, au moins, genre, l'été, ce sera pratique. Et du coup, j'en ai pris deux. Ah, punaise, moi. Bref, on s'en fout. À toi. Du coup, ensuite, j'ai acheté encore un truc parce qu'en fait, Monia m'a cassé le nain. Et du coup, j'en avais besoin d'un autre. Voilà, mais c'est un miroir de beauté. Je pense qu'il va falloir le monter. Oui. Waouh. De coiffeuse, de maquillage, comme ça. Oh, du papier bulle. Non, tu t'occupes pas de mon papier bulle. Ok. Hop, hop. Ok, on le perd. Crazy. Hermès. Crazy. Ouais. En même temps que j'essaie de remettre... Attends, viens, je te le mets, viens. Attends. J'ai pas en essayant de mettre ça, j'ai... Non, attends, tu le mettras à la fin. Déjà, on enclenche bien ça. On va voir quand je suis avec les lunettes, du coup, parce que je ne vois pas. J'ai pas de miroir. Ah, c'est bon. Vas-y, tu peux le mettre. Il est trop chou ce miroir. Oh, attends, ça va. C'est ça, je le montre. Et là, les roses. On voit la vie en rose. Allez. C'est bon. 200 ans avec tes lunettes. Okay. Monte sur le miroir. Hop. Tic et toc. Okay. Et là. Oh, il est beau. Il est trop mignon. Et puis, il est girly class. Montre-le. Bref, ensuite à moi, j'ai pris une coque. 30 cm. Pour mon nouveau téléphone, regardez, genre elle est vraiment très fluo. J'en avais acheté une pour le 11 Pro, mais elle était pas aussi fluo. Là, elle est vraiment fluo, j'adore. Et en plus, il n'y a pas le truc autour des objectifs, parce que le truc autour des objectifs, ça me saoule, parce que ça fait, quand on met en grand angle, c'est chiant. Attendez, je vais vous montrer sur le téléphone. Comment ça fait. Donc, avant de prendre la vente, du coup, mon dernier truc que je voulais trop, parce que mon mien, elle en a acheté une. À Primark, et du coup, bah, moi j'en voulais une qui était rose. Regardez, j'adore. On ouvre, en fait, c'est une grande trou dans une moyenne trou dans une petite trou. Tout s'envole. On a. Attendez, j'enlève tout. Papier bulle. Je remets dedans. Oh purée. Papier bulle. Il y a vraiment du vent. On va aller le récupérer. Mais papier bulle, ils sont. Ok, allez. Donc, on en a une grosse comme ça. Moyenne. La petite GoPro. Pour le voyage. Oh, je peux avoir la petite? Non. Elle est trop belle. Laisse-moi la regarder. Elle en a plein des trucs de voyage et là, je peux avoir. Je peux avoir. J'adore. Ok. Voilà, j'ai fini les chéris, moi. Moi, j'ai plein d'appels. Encore des lunettes. J'ai pris plein de lunettes. Encore, si on passe notre commande de lunettes. Bientôt, il va falloir. Un dressing à lunettes. Bientôt, c'est un dressing à lunettes. Mais en fait, je vous explique. On ne pouvait pas sortir sans passion de lunettes. Nos deux parents sont passionnés de lunettes, en fait. Avouez que les lunettes, elles sont trop grandes pour Lilia.
Non. Regardez ça, s'il vous plaît. Il est trop mignon. Regardez la beauté de ces lunettes. On dirait j'ai un écran. Regardez-moi. Ah oui, il faut savoir que autant leur père que moi, on a un gros problème avec les lunettes de soleil. On en a beaucoup. Ouais, beaucoup. Et vous êtes tout le temps avec des lunettes. Parce que ma mère, j'ai tout le temps des lunettes ou gris. Voilà. Et du coup, ça, c'est un lot. Il y avait la deuxième avec. Les deuxièmes, je trouve elles font lunettes de ski, elles sont mignonnes. Dites-moi, regardez ça. Ce que en vous vrai, en avec un look grave simple, pour faire un petit côté dévergondé, non? Maman. On part en voyage avec mes lunettes. Avec un look grave simple, pour faire un petit côté dévergondé. Ouais. Ça peut grave être bien. Même un look très stylé. Histoire. Oui, aussi. Bah, comme toujours avec mon carton. Pour aller au ski, avec un bon look stylé. Et moi, ça c'est ski. Full black. Je vais garder le carton pour faire un truc. C'est les miennes. Je pourrais te les prêter si tu veux. Et normalement, j'ai encore pris des lunettes. Oui, j'en ai encore. Quand il y en a vu, il y en a encore. Elles sont magnifiques. Elles, oh là là. Elles, il y a le petit étui avec. Ça fait longtemps que vous nous réclamiez des hauls. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de hauls. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode de l'incroyable famille Molière. Mais là, je me suis dit, les chéries vont kiffer. On a trop de choses à leur montrer. Là, et ça va être la big vidéo. Elles vont encore kiffer parce qu'à un moment, on va faire une deuxième commande de lunettes. Alors elles sont un peu similaires. Moi, j'en ai pas en fait. Mais elles, voyez, elles sont en triangle, elles sont plus fines que elles. Elles font vraiment un écran. Elles font très Balenciaga, je trouve, elles. Et je les trouve incroyables, vraiment. Elles font très Balenciaga. De toute façon, c'est l'imitation des Balenciaga, à mon avis. À mon avis. Mais elles sont magnifiques. J'aime jeter direct. Bon, écoute, je peux m'acheter des Balenciaga, ça sert à rien à mon âge d'avoir des Balenciaga. Les chaînes sont très très bien d'accord. Ensuite. Donc, ensuite, là, c'est ma mère qui me l'a pris. Thank you, mom. Je vais dans la commande. Ok, excuse-moi. C'est trois petits pinceaux comme ça. Lydia, elle est partie, elle veut déjà préparer sa commande de lunettes. Voilà. Regardez. Elle vous abandonne pour aller faire sa commande de lunettes. Ils sont trop bien. J'aime trop les pinceaux fins comme ça pour faire les liners fumés et tout, c'est trop bien. Donc là, il y en a trois, un rond, un carré, un biseauté. Mais ça, on en a pris deux lots, mais on va pas vous montrer deux parce qu'il y en a un qui est pour moi. Voilà. Ensuite, il y a ma mère qui m'a acheté ça parce qu'en fait, j'en voulais une. J'aime trop les pochettes comme ça. Attendez, je l'ai vu sur Kylie Mae. Je suis fan de Kylie Mae, d'accord? Il y a le vent qui se lève, c'est un peu enkikinant. Un peu enkikinant le vent. Ces pochettes, j'aime trop. Regardez, vous avez des petits compartiments dedans. Et vous pouvez mettre dans votre sac de cours et vous pouvez ranger dedans tout, serviettes hygiéniques, lingettes. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Un frelon. Non, mais ils vont pas revenir, c'est pas possible. Il y en avait un. Il y avait un frelon. Il est pas là sur le mur? Non, non, ils viennent de partir vers là-bas. Ah. Et en plus, elle est belle, elle est trop belle. J'adore. Un sweet. On avait un nid de frelons asiatiques juste à côté de la maison et en fait ils sont venus, là les messieurs ils ont mis le produit. Et là je crois que j'en ai vu un. Ensuite, on a pris ça. Ça j'ai hâte de la tester pour voir si elle éclaire bien. Je vais la monter déjà et on la testera après. Ça, en plus elle est petite. Ça, c'est mais non. Ah, trop regardez, il y a des petites feuilles comme ça. On va pouvoir faire genre univers rouge, univers bleu, univers... Parce que les ring lights c'est bien mais c'est gros, c'est imposant et des fois ça dépend où tu vas. Par exemple, si on s'en va en voyage, forcément les chéris, on vous amènera avec nous. Et du coup, il faudra vous faire des vidéos. Et des fois, on manque d'éclairage. Comme ça, on peut le mettre dans la valise. Pense à tout, attendez, Tata je Emma. Vais vous montrer. Deux secondes, je le monte. En plus, il a un petit trépied, mais il est trop mignon. Regardez, vous avez le petit trépied. Et là, vous pouvez tirer le truc. Donc ça, vous le laissez blanc. Ou soit même sans rien, directement comme ça, pour que ce soit plus n'importe fort. Quoi. Si. C'est le blanc qu'il faut laisser. Je peux faire lumière jaune. Là, après, on met ça, je pense, du coup, devant. Ouais. Et on le rentre avec la plaque blanche, je suppose. Pour le test, il faut qu'on leur montre. Quoique, peut-être que la plaque. Ouais, à mon avis, c'est que comme ça. Même ça, tu peux ne pas le mettre. Mais oui, c'est ça. Parce que moi, quand je le vois allumé sur le Shine, quand je l'ai commandé, il y avait les petits carrés. Et il y a le petit trépied comme ça, là, hop, on peut la poser. Voilà. Trop kawaii. Attendez, je dois trop practical. Practical. Voilà. Ensuite, on a pris ça parce que pareil, on l'a vu sur Kylie Mae et qu'on va trop tester. C'est des petits glaçons en boule, là. Un bille. Je crois détester. Attendez. On apprend Ross. C'est girly. Ensuite, kawaii. Vous connaissez notre passion pour les trépieds. On en a dans toutes les pièces. Et oui, parce que faire des vidéos, c'est un métier, c'est une organisation. Il faut en avoir partout. Parce que sinon, c'est il est où mon trépied, il est où le trépied. On a chacune notre trépied. Surtout que j'en avais un et que je l'ai offert à Clarouche. Donc, du coup, il m'a manqué un. Voilà. Et du coup, on l'a pris en blanc. On l'avait deux fois en noir. Voilà, comme ça, le blanc, je pourrais le laisser dans ma chambre. Il ira bien avec la décoration. Donc, voilà, je te laisse le monter et le remontrer. Donc, vous avez une plateforme comme ceci qui pèse lourd. Vous vissam votre truc comme ça. C'est tout sauf français, tout ce que t'es en train de dire tout à l'heure. Oh,
Mais les chéris, on leur a expliqué. Qu'est-ce qu'elle a dit à la prof de français ou pas la dernière fois? Débrief de... C'est pas la prof de français, c'est la prof d'anglais. Lilia, elle a eu anglais. Et la prof d'anglais, elle a dit... Ah, mais là, vous allez rire. Est-ce que vous voulez rire? Escúchame bien. Je vous explique tout. Elle était en anglais. La prof d'anglais dit... Est-ce qu'il y en a parmi vous dont les parents sont bilingues? Vous savez ce qu'elle a fait, Lilia? Elle a levé la main. Elle a levé la main, elle a dit oui, moi, ma maman, elle parle espagnol et anglais. Alors certes, je parle espagnol, je ne parle pas anglais. Et encore moins, on peut dire que je suis bilingue. Mais étant donné que si vous me suivez depuis le début, vous connaissez l'histoire de My Baby No Sleeping. Si vous ne la connaissez pas, je la raconte dans le vlog d'Espagne. Donc cherchez la vidéo où on est un week-end en Espagne. À Tarragone. À Tarragone. Je vous explique tout dans cette vidéo. Nous avions un voisin qui était... fortement bruyant. Pas, du coup. Et du coup, je me suis mise à parler en anglais avec lui parce que j'avais pas le choix. Je croyais qu'il était espagnol, au final, il était anglais. Et j'ai dit 2-3 phrases, voilà, avec les bases qui me restent du collège et du lycée. Et donc, de temps en temps, je m'amuse. Vous le savez que de temps en temps, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que de temps en temps, pas que j'ai des petits dans la mots anglais, aussi. Voilà, dans mon incroyable famille Mouliem. Vous savez que because I am speaking English, yes, back to school, because anyway, so. Ça ne fait pas de moi une bilingue. Ma fille, elle a dit ça à la prof d'anglais. Mais imaginez si je vais à la réunion et que la prof d'anglais s'en souvient. Mais pire que tu coches pas que tu veux voir la prof d'anglais. Ah non, je vais pas le cocher parce que c'est là quand même. Hello, speak English, you are bilingue. Je fais quoi? Hein? Je fais quoi les chéris à ce moment-là? Bref, stop. Anyway, so continuons all. Ensuite, parce que toujours plus de lumière, hein. On a pris la même que elle. Celui-là il est trop bien. Celui-là il est vraiment pour le voyage. Ouais, tu vois. Celui-là il est pour moi. Filmer dans l'avion et tout. On filme à l'aéroport, on peut filmer partout. Il y a des endroits, t'as pas besoin de lumière. Hein. Regardez les chéris comme donc il est. En fait, ça c'est une. Guapo! Il y a un problème ici. Oh, les papiers, chut. Watch out. This fighting. Qu'est-ce? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Dis mais. Non, t'es sérieuse là? Je me suis trompée là. Non, c'est ça. Non, parce que normalement il doit te. Attendez, parce que là je suis en train de comprendre comment on fait là. No comprendo. Bref, donc en fait on peut soit l'accrocher au téléphone. Oui. Donc attendez. Hop. Mon sourcil me bouge tout seul, c'est nerveux. Je suis en train de m'énerver avec le. Il y a les petits boutons ici, vous voyez la petite lumière comme ça. Et soit vous pouvez l'accrocher comme ça, soit ben, dans l'autre sens, genre ça, on peut le mettre ici, vous voyez. Derrière, il y a un truc, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Il y a un petit chargeur et en fait, vous pouvez l'accrocher au téléphone comme ça. Donc dans ce sens, ben, genre si vous voulez faire un TikTok. Et dans ce sens, si vous tournez une vidéo et que vous n'avez pas assez d'éclairage, vous voyez. Donc hop, on va filmer, ta 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 ta. Donc voilà, est-ce qu'on peut l'allumer là? Ça allume là? Mais il n'y en a que deux, des pailles, tu t'es fait arnaquer. Tu peux le charger? Ben oui. Oh non, regarde, il y a un écran et tout, start. Oh, j'ai pas réussi à l'allumer. Regardez. Attendez, le chargeur. Du coup, ma mère, elle a acheté 2 pailles en verre. On en a déjà. Mais j'en voulais encore. Parce que je vais agrandir la collection et qu'on aime trop ça. Et il y en a une qui est courbée. Ouais. Moi, elle fait souvent des caramels macchiato et tout, mais c'est trop pratique. Des petits goupillons. Pour nettoyer les pailles. Voilà. Les paillards. Voilà. J'adore ensuite, les pailles en verre. Ensuite, ma mère m'a pris ce petit legging. Apparemment qu'il est bien. Parce que je me le suis pris aussi. Il est taille haute. Il est super agréable. Il y a plein de poches. La matière, elle est trop bien. Même s'il y a la poche sur le côté, vous savez, pour mettre le téléphone et tout. La matière, elle est trop trop bien. Elle fait un peu penser à la matière du legging Nike. Nike. J'en ai un Nike un peu comme ça. Donc regardez. Vous voyez bien la matière. Et là, vous voyez les poches. Et en fait, à l'intérieur, il est épais quand même parce qu'il est... on dirait qu'il est doublé. Le tissu est très épais. Donc là, il est super confortable. Donc pour le sport, c'est trop bien. Et ensuite, pour le voyage, on a pris tout ça. Ça, j'ai hâte de voir. Ça, là, d'organiser la valise très organisée. Donc, c'est des pochettes pour organiser vos valises. Beige, sa couleur préférée. Là, il y a le gros. Après, il y a le petit sac comme ça avec écrit « Wish you have a colorful life ». Oui, il y a des petits sachets comme ça. Après, bon, là, il y a écrit la même chose, mais c'est sous une autre forme, sauf comme ça, en fait. Ouais, ça fait pas mal. Et à mon avis, ça fait un truc carré, ouais. Ouais, on dirait un peu comme avec les chaussures ou je sais pas.
Je sais pas du tout. Il y a plusieurs compartiments. Chaque compartiment sert à quelque chose. Oh, il y a une trousse. Je suis fan des trousses comme ça. Toujours écrit la même chose. Encore un truc carré. Non, je pense que c'est plus ça pour les chaussures. Et après, c'est des trucs comme ça. C'est comme ça pour les chaussures. Enfin, c'est ça pour les chaussures. Non, parce qu'il y a des trucs. Donc, c'est pour accrocher les habits. Il y a des machines comme ça, là. C'est pour que les habits tiennent bien. Bref, voilà. Vous avez la grande pochette, vous avez des trucs, c'est trop pratique. Dans elle aussi, il y en a, dans la moyenne aussi. Elle. Donc ça, c'est pour accrocher les habits. Donc voilà, voilà, c'est trop pratique. Il y a les petites étiquettes avec écrit Travel. Hey, hey. Voyage. Sur Shein, vous les avez à petit prix. Et ça, franchement, les filles, c'est pas pratique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre des fruits. Parce que déjà, c'est encombrant de garder les fruits pas coupés dans le frigo. Donc là, on va préparer les... J'ai cliqué déjà. Voilà, cup de fruits et des fois cup de salade. J'aime trop. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Même si on a la petite fourchette. J'aime trop. Donc voilà, ça y est, on a fini de te présenter. Oui. Donc voilà, c'était ça, notre petit haul. J'étais dans la Du coup, vous verrez cette vidéo demain. Et Tata Emma, elle va travailler toute la soirée sur l'ordinateur pour vous poster cette vidéo. Comme ça, au moins, j'essaie de vous filmer tout jusqu'au samedi. On reprend les épisodes de l'incroyable. On reprend les épisodes de l'incroyable famille Mollien. Donc je vais vous filmer tout du lundi au vendredi ou du lundi au samedi. Tout dépend comment je suis organisée pour les montages. Et ensuite, comme d'hab, on reprend les mercredis avec des vidéos à thème, des challenges, des 24 heures, des trucs comme ça. Comme d'habitude. Mais voilà, on repart pour une année d'école et on repart pour des vidéos trop trop bien. Je pense qu'on va aussi se refaire une FAQ parce qu'il y a beaucoup de nouvelles et que vous avez aussi beaucoup de questions à nous poser. Sachez que sur Instagram, j'ai le canal et de temps en temps, j'invite des abonnés pour parler avec elles. Et je pense que je vais le faire chaque dimanche. Donc si vous ne nous suivez pas encore sur Insta, rejoignez-nous. Et sur Snap, pareil, je prends souvent vos commentaires, je vous réponds. Moi, j'adore Snapchat parce que quand je parle, j'ai vraiment l'impression de parler avec vous. Donc voilà. Et bon, après, j'ai aussi des mamans qui me suivent sur Snap, mais c'est trop trop bien. Donc Lilia nous a abandonné, elle est en train de faire son panier Shein de lunettes, ce qui veut dire qu'il y a des hauls qui arrivent aussi très 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 bientôt. Surtout que là, il faut qu'on se fasse une petite sélection look de rentrée. On n'a pas fait de sélection de rentrée encore trop sur Shein en avis. Et là, j'ai vu qu'ils avaient reçu plein de nouveautés, donc on va regarder tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu les chéris, que votre week-end s'est bien passé. Et bon courage pour la reprise de demain l'école. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye. Bye. Elle insiste avec son ciao. Je vais pas exprès. C'est quoi?